Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Gabriel Moka est déjà avec moi pour décrypter toute l'actualité de ce jour. Les consultations entamées par Judith Toulouka, l'élection à l'Assemblée nationale, l'élection du président du bureau définitif, l'élection au Sénat, l'élection de gouverneur, la situation à Goma. On va voir quel sujet que l'on pourra mettre de côté si le temps ne le permet pas. Président Gabriel Moka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là en tout cas. Merci. Alors, Gabriel Moka, vous avez certainement vu cela. Judith Toulouka qui a commencé ses consultations à elle, alors qu'on a vu par deux fois même Augustin Kabouya faire la même chose, sachant que les consultations coûtent beaucoup au pays. À chaque fois qu'on fait appel à ces politiques, notamment des leaders comme vous, c'est de l'argent qu'on donne à l'informateur, c'est de l'argent que gaspillent également ceux qui viennent être consultés. Ouais. Finalement, pourquoi est-ce qu'elle entame encore une nouvelle consultation? L'opportunité de cela, c'est quoi? Mais cela est dans la Constitution. Donc, il faut d'abord, pour des consultations, il faut déterminer la majorité. Dès que vous avez la majorité, si bas de cette majorité récoltée, vous allez maintenant, le chef de l'État doit nommer un formateur du gouvernement. Mais elle est déjà première ministre. Oui. Bon, elle est là. Ne voyez-vous pas qu'on est en train de mener un bateau, la population? Voilà, la population, on m'a essayé de lever un peu mon micro, il semble un peu plus bas. Mmh. Voilà, donc il y a des urgences en ce moment. À Kinshasa, par exemple, il n'y a presque plus de routes. À chaque pluie, les routes se détériorent davantage. Par quel chemin d'abord ils vont se rencontrer? Mais on a, un gouverneur de la ville. On a un gouverneur de la ville, le problème des routes. Et on a un gouverneur qui devait prendre des positions. Vous voyez vers l'avenue du commerce. Quand vous regardez jusque vers comment on appelle ça, Baroumbou, tout près de Baroumbou, oui. Croisement commerce et flambeau. Mm. La plupart de ces avenues, parce que moi j'habite ces côtés, donc il n'y a rien. Je ne reconnais pas Kinshasa. À l'époque, moi j'habitais l'hôtel Palace, à cette époque-là, pendant la Deuxième République. Il y avait quand même des routes, non? 1972-73, j'habitais là jusqu'aujourd'hui. Et on s'habillait très bien chaque dimanche pour aller au ciné Palladium, au ciné Rac, au ciné tout ça. Donc vous voyez qu'on était propre comme les avenues propres. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si le gouverneur de la ville, il vivait de quel pays, je ne sais pas. Tout est sale. Vous voyez même avec croisement avenue Luambo Makiadi, qu'on appelait Bokassa, et avenue... comment on appelle ça, avenue du commerce. Le croisement-là est devenu un endroit où tout est permis de faire. On vend du pain là-bas, sur les grandes avenues, les mamans viennent vendre du pain, des étagères, des histoires, et il y a des, y a un arrêt là-bas, un petit rond là qui était très propre à l'époque. Nous, on sillonnait là-bas avec les voitures Mazda 1000, mais quand vous passez là-bas, quand moi je rentre au service, ouais, quand j'arrive là, je pleure, je dis mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ma ville. Mais ça c'est le problème de l'hôtel de ville qui devait prendre des dispositions avec des militaires ou des policiers. Si les policiers ne font pas un bon travail, on va prendre même les paiements, ils vont mettre de l'ordre dans cet endroit. Mais c'est catastrophique. Moi je viens là, je viens maintenant, mais quand il pleut, vous savez, ma voiture on a voulu emporter ça par de l'eau. Quand j'ai rentré la nuit, je crois l'avant-hier, l'eau a failli m'apporter avec ma Jeep, la Toundra. Mais imagine-toi, c'est quelle ville. Bien que les inondations soient partout dans le monde, même chez nous là-bas, chez Poutine, il y a aussi les inondations. Oui, même en France, au Japon, en Corée du Sud, sauf ici, à chaque inondation, ce sont les routes qui se dégradent davantage. Et puis, regardez les bouteilles même d'eau. Des bouteilles d'eau ici au centre-ville. Et ce qui m'étonne, hein, parce que vous avez soulevé une question de grande importance, comment expliquer que dans la ville de Kinshasa, vous voyez les pousse-pousseurs qui transportent des bois, des histoires et tout ça au centre-ville, ici, boulevard des 30 juin, les pousse-pousseurs combinés avec des motos. On avait dit que les motos, c'est fini, ne peuvent pas entrer la ville, les motos sont là pleins. Le gouverneur de la ville, il ferme les yeux. Les autorités de la ville, policiers, militaires, tout ça, ferme les yeux. Bon, une telle ville, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai fait Madrid jusqu'à
à 40 kilomètres là-bas à l'intérieur de Madrid. Mais quelle beauté! Quelle beauté! Je ne peux pas vous citer toutes les villes que j'ai faites, mais l'impact seulement que j'ai fait. Donc je dis, mais moi ici, je suis au paradis. Mais mes frères là-bas, ils sont restés en enfer. Ça, c'est l'enfer. Vous trouvez que les motos sont partout, les pousses-poussées ne peuvent pas entrer au centre-ville. Quelles que soient nos bêtises, mais on ne peut pas permettre ça. En Europe, imagine-toi, prenez les pousses-poussées aussi, l'amène-les en Europe, même à Bruxelles, et il doit faire les pousses-pousses dans les grandes avenues. Mais ça serait scandaleux, c'est toutes les caméras de la Belgique qui vont venir plonger sur lui. Mais si chez nous, les autorités affichent de tout pour dire qu'à un bon français, un pays abandonné. Donc il n'y a personne, les gens cherchent que leur argent pour leur poche, mais ils ne cherchent pas le bonheur de ce peuple. Le peuple est foutu, monsieur le journaliste. Vous parlez de Kinshasa comme si il n'était qu'une simple province. Ce n'est pas seulement une province, c'est la ville, c'est la capitale, le siège des institutions. On ne peut pas imputer seulement cette responsabilité à l'hôtel de ville. Le programme ou le projet Zéro Trou, c'était la primature qu'il avait lancée. Quelle est la responsabilité même, je dirais, que ce soit de la présidence et du gouvernement dans ça? La présidence et le gouvernement peuvent intervenir sur les grands travaux. Il y a beaucoup de grands travaux. Les petits travaux tels que nous voyons les routes de mettre de l'ordre dans les grandes avenues, ça c'est le problème de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville. Ça ce n'est pas le travail des ministres ou du gouvernement. Mais quand on ne sait pas assumer sa responsabilité, on veut seulement se justifier que je n'ai pas l'argent, le gouvernement ne m'a pas donné. Même si on te donne l'argent, tu vas avec ça dans des boîtes de nuit, tu fais autre chose avec cet argent. La ville reste comme telle. Vous savez, ce que vous avez dit, vous avez posé comme question, je vous dis que j'ai des larmes aux yeux pour ma ville de Kinshasa. Je n'ai pas connu Kinshasa à cet état. Et pour vous dire que aujourd'hui, les gens préfèrent acheter que des voitures que des maisons. Plein de voitures dans la ville. Quitter seulement au centre-ville ici, là où moi j'habite, pour que je puisse arriver dans mon bureau vers 24 là-bas. Mon bureau est là-bas. Hein? Oh là 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 là, je fais des heures et des heures. Ici, une petite distance. Parce qu'il n'y a pas de route. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de route. Les routes qui sont là sont des routes qui ont des trous, donc les chauffeurs paniquent pour prendre ces routes-là. Donc, un pays qui est abandonné par les autorités de la ville de Kinshasa. Parce que moi, je ne sais pas, moi, je suis gouverneur de la ville. Mais pour mon prestige, mais je ne peux pas garder la ville à cet état. Puisque moi, j'ai grandi dans cette ville. Moi, je suis dans cette ville ici depuis 1973. 1973, je suis ici. Je venais de Ngiringiri en 1969. Et je suis arrivé ici en 1973. De 1973 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté la ville. Je suis toujours dans la ville de Kinshasa. Mais regardez à quel état moi je trouve la ville. Quand je compare à cette époque où nous on jouait avec des peines chaudes, vous nous voyez, on s'habille très bien, on était bien. Mais quand vous voyez maintenant aujourd'hui, j'ai dit, oh, nos enfants n'ont pas vécu comme nous. Je regrette pour les enfants de tout le monde et pour mes enfants aussi. Mais ils sont maintenant dans un environnement que tout le monde doit détester. C'est impossible de vivre dans la vie de Kinshasa. Nous tous, nous voulons l'argent. Mais quand on veut l'argent dans le sens des pieds, dans les caisses de l'État pour pouvoir faire autre chose avec cet argent, ce n'est pas sérieux. Et puis, moi, je vois comment la ville est abîmée. Les autorités, même les membres du gouvernement regardent ça comme ça. Même le premier ministre, il regarde la ville comme ça. Comment la ville est en train de se détériorer. Maintenant qu'on a une première ministre qui apparemment a beaucoup évolué à l'étranger, c'est-à-dire a fait ses études en Belgique, a travaillé là-bas également et est venue travailler dans le programme de développement, est-ce que vous vous attendez à ce qu'elle fasse quelque... Qu'attendez-vous d'elle exactement? J'attends à ce qu'elle puisse travailler pour la ville et puis pour les rebelles à l'intérieur du pays. Parce que quand nous critiquons Kinshasa, mais voyons maintenant vers l'est du pays, vers Nord Kivu là-bas, le terrain est envahi par des rebelles. Il n'y a personne qui a la force de détruire ce que les autres sont en train d'abîmer dans notre pays. Vous savez, nous connaissons bien la ville. Moi, j'ai combattu ici,
j'ai fait des prisons ici, dans ces pays ici, à cause de la politique. À cause de la politique qui m'a mis à cet état. Parce que je me suis donné corps et âme, sachant que demain, le pays, le peuple va tout récupérer et ça sera notre bonheur. Or que mon combat là est parti dans l'eau. Ce sont d'autres personnes qui attirent profit de notre combat. Vous voyez, j'ai toujours regretté. Vous voyez, même les nominations, quand on nomme mon nom, c'est pas des inconnus qui ne connaissent même pas bien la ville, ils sont venus là pour chercher l'argent. Mais nous, qui ont travaillé dans ces pays, qui ont souffert dans ces pays, les affaires de ces pays qui connaissent que si nous avons le pouvoir, nous allons mettre de route les gens qui détruisent notre pays, nous sommes toujours pimbénisés, comme disent les jeunes, pimbénisés d'un côté. Vous voyez, il y a les jaloux, l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même, disait Mobutu, mais lui parlait de Zaïre. Mais à l'époque, si nous parlons de Congo, Congolais lui-même, qui est ennemi des Congo. Comment on peut vivre dans un pays où les rebelles entrent et nous les regardons? Comment, quelle est la force? Nous sommes gouvernement. Quand vous comparez un gouvernement à une rébellion, le gouvernement est toujours supérieur à une rébellion. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Quand mes membres de mon parti, qui sont partout, dans les coteaux, il y a des guerres, quand ils me font des messages, ils m'envoient des messages, vraiment, je pleure seulement, le jour et la nuit. Je regrette comment on peut arriver dans un tel coin. Bon, quand on néglige la rébellion, on dit la rébellion entre. Et quand on néglige la vie de Kinshasa, a perdu sa beauté. Mais comment on peut vivre? Qui sommes-nous? Et si Kinshasa se trouve dans un tel état, est-ce que dans les provinces, à quand le développement dans les provinces notamment? Les provinces ne peuvent pas développer. Moi, j'étais en Afrique du Sud. J'ai fait à peu près 80% de l'Afrique du Sud. Mais j'ai vu, vous êtes en province, c'est comme si vous êtes dans la capitale. Une ville comme Djobour, vous pouvez comparer ça avec quelle ville ici dans notre pays? Moi-même, quand mon beau-frère me transportait, je circulais, je suis là dans la voiture, je deviens petit. Parce que la honte, si les ridicules pouvaient tuer, moi-même j'allais mourir avec la honte. Donc je vois, quand, et lui aussi il m'amène que dans des endroits beaucoup plus meilleurs. J'ai commencé à découvrir des endroits. J'ai dit à ma femme, mais ici vraiment, nous deux ici nous avons la honte, hein. Regardez les autres ce qu'ils ont fait. Mais voyez chez nous, même à limiter, si quand il pleut, les bouteilles d'eau qu'on jette, au lieu de jeter ça ailleurs et travailler ça autrement, mais à limiter, c'est plein de bouteilles d'eau. Ici, dans le centre-ville, c'est plein de bouteilles d'eau. Et regardez même ce qui m'étonne ici, Botou. Vous voyez l'immeuble de Botou. L'hôtel de ville a fait le travail. Mais comment on peut faire ça de cette façon? On devait mettre ça de l'autre côté de cette façon pour que quand il pleut, l'eau descend vers boulevard et boulevard jusqu'au fleuve là-bas. Mais ici, on met ça de cette façon, quand l'eau, quand il y a la pluie, allez-vous trouver que l'eau est pleine. Même maintenant, je viens de passer là-bas, plein d'eau. Voilà, quand les gens ne raisonnent pas de cette façon, comment vous pouvez parler avec les Blancs? Parce que moi, quand je me promène dans le pays des Blancs, je trouve que j'étais en Suisse. Je me suis promené en Suisse. J'ai dit, mais chez nous, on ne peut pas faire ça. Il faut que j'occupe un poste de responsabilité, peut-être pour apporter des idées nouvelles. Mais ceux qui ont des postes de responsabilité ici, ils sont là que pour construire leur propre maison, mais ils ont abandonné le pays. Maintenant, les constats, c'est ce que vous faites. À tout, quand vous me recevez, vous posez la question. Parce que vous êtes politique également. Oui, mais je suis politique, mais maintenant, je m'explique. Oui. Je suis politique, mais ceux qui je ne gère pas, ceux qui gèrent, qui ont la responsabilité de cette... Alors, justement, il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de questionnements dans la tête des Congolais et des Kinois particulièrement. Vous avez soutenu la candidature de Tshisekedi, qui a été élu, ça fait 4 mois maintenant. Il a désigné un informateur qui a fait 2 fois le même travail. Il y a une première ministre maintenant. Elle a pris goût, comme les autres politiques, à faire des rencontres dans des bureaux climatisés, à inviter David Bemba. Maintenant, elle a reçu Mbosso et puis Samalou Kone, qu'elle a déjà vu plus d'une fois, alors que la population se meurt chaque jour, en fait. Quelle doit être l'attitude de cette population qui a élu Tshisekedi? Vous vous posez la question, comme moi. Vous êtes déçu aussi, c'est ça, Gabriel? De ma,
le président du Sénégal, à peine nommé, le lendemain, il a nommé le premier ministre. L'autre jour, directement, on a formé le gouvernement. On dirait que les gens ne préparent pas le gouvernement avant. Quand on vous nomme, vous commencez à trier, je ne sais pas où. Mais les gens qui peuvent être nommés pour faire du bon travail au pays, nous sommes là. Mais on ne nous regarde pas. C'est un groupe d'amis seulement qui se font. Vous voyez les jeux de dames. Hein? On vous déplace ici, on vous met à ce côté. Quand on trouve qu'il faut récupérer ces choses. Vous avez fait l'opposition pendant le temps de Kabila. Vous aviez des discours très critiques, même virulents. Ça vous a valu beaucoup de fois la prison. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes politique, mais on ne sait pas, vous êtes dans l'opposition. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dû envers Tshisekedi aussi? Est-ce qu'il est mieux que Tshisekedi Kabila maintenant ou pas? Je suis là avec Tshisekedi. Oui. Je ne le malmène pas. Mais si vous comparez alors. Je ne malmène pas Tshisekedi parce que nous venons avec lui ensemble au niveau de l'opposition. Moi, j'étais avec son père à tout moment. Tout ce que son père faisait comme manifestation, les critiques et tout ça, on les faisait tous ensemble, tous. Bon, je ne m'attendais pas qu'on doit arriver à cet état. C'est pourquoi je suis assez de conseiller. Il faut transporter aussi les Kazakhs de l'opposition dans la politique, même si nous sommes au pouvoir. Il faut lier l'utile à l'acte. C'est-à-dire que ce que nous on disait à l'époque, ça doit être concrétisé maintenant. Nous ne pouvons pas nommer de n'importe quoi pour venir faire de n'importe quoi. Il faut nommer déjà responsable. Nous, on parlait, on critiquait même Joseph Kabila à l'époque. Mais c'est le moment où Joseph Kabila doit voir aussi que c'est que les mots qu'il a disait. Maintenant, ils sont tentés de faire le contraire. Oui. C'est ça. Ils vous regardent de loin, Kabila. Parce que tout le monde, même les gens de PPR, beaucoup, quand ils me croisent, tout, parce que les gens, ils me respectent. Parce que je me respecte beaucoup. Mais ils me parlent, j'écoute, mais je ne peux rien faire, c'est de leur droit aussi. Moi aussi, je les critiquais à l'époque. La différence, c'est qu'ils ne supportaient pas mes critiques, ils m'arrêtaient à tout moment. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir, on confond ceux qui ont la gestion et ceux qui n'ont pas la gestion. Nous n'avons pas la gestion entre nos mains. Mais ceux qui ont la gestion, ils sont tentés de faire autre chose contrairement à ce que les mots qu'il a disaient. Les mots qu'il a disaient pour sauver le pays, pour le bonheur de ce peuple. Et le peuple maintenant ne peut pas commencer à vivre, parler de cette façon. Le gouvernement de celui qui a remplacé Macky Sall est déjà à pied d'œuvre, est tenté de travailler. Oui. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Vous savez que quand un pays, le pays vit à cause du paiement qu'on récolte auprès du gouvernement. Mais quand le gouvernement ne paye pas sa population, alors que quand vous attendez même dans France 24, toujours le Congo, c'est le premier pays au monde qui est riche. Mais je ne vois pas cette richesse. Cette richesse est entre dans les poches de certaines personnes. Mais les ayants droit ne gagnent rien. La richesse ne nous sert à rien. C'est ce que je suis en train de regretter. Et puis, je ne veux pas qu'on puisse nommer maintenant des ministres orgueillés. Il est venu parce qu'il était pauvre. Maintenant, il doit régler des comptes à tout le monde. Il est ministre de tel côté pour payer les gens leur argent. Toujours orgueillé. L'orgueil ne paye pas. Dieu résiste aux orgueillés. Regardez comment Dieu nous a laissé. La rébellion est atteinte dans notre côté, dans notre pays. Je ne sais pas qui est derrière ce rebelle-là pour commencer à malmener les peuples congolais. Les peuples congolais ne méritent pas ça. J'avais dit qu'avec nous, on allait mettre fin à cette guerre. On allait se battre sur le terrain. Vous savez, un homme... Vous avez dit la rébellion est entrée parce que Dieu nous a abandonnés. Ah oui, il nous a abandonnés. Parce que nous faisons de mauvaises choses sur cette terre, beaucoup. Au Congo, ici, on vole l'argent de l'État, on fait ceci. Dieu nous regarde. En nous regardant, il nous a envoyé maintenant les diables. Et être là, en train de nous malmener. Hein? Les rebelles, là, ce sont des diables. Ce sont des punitions de Dieu. Vous ne voyez pas? Nous avons des armes, nous avons des munitions, nous avons des hommes. Mais qu'est-ce qui empêche à ce qu'on puisse gagner? Un petit pays comme le Rwanda. Quand moi je parle comme ça, il y a des gens qui soutiennent les Rwandais, qui sont contre moi. Ils vont même dire au ministre le contraire, les intérêts de moi qui ne prennent pas ça contre, parce qu'ils critiquent les Rwandais. Nous, on connaît tout ce qui se passe. Donc, quand vous critiquez les Rwandais, vous vous faites ennemi de beaucoup de gens. Ceux-là,
Ils sont là auprès du président de la République. Ils vous compliquent la vie. Vous ne pouvez même pas voir le président de la République. On vous complique la vie. Mais maintenant, où se trouve notre pays? À cet état ici. Regardez une chose. Le Rwanda est arrivé et a acheté une portion de terre en Angola. À Brazzaville également aussi. À Brazzaville, en RCA. Et tout près de Maluku là-bas. Cela signifie quoi? Vous êtes journaliste. Notre ennemi est en train d'acheter des portions de terre tout près de nous. C'est-à-dire qu'il va former des militaires pour pouvoir nous attaquer de gauche à droite. Mais nous d'autres disent que c'est pour des intérêts économiques. Ils veulent mettre en place des marchés, planter, je ne sais pas, sur des hectares de terrain et pouvoir le faire consommer aux Congolais. Non, pas le faire consommer aux Congolais. Pour parce que c'est un marché de 13 millions de Congolais. Ils disent qu'ils veulent profiter de ça économiquement. Ils cherchent comment tuer les Congolais comme on tue les Congolais de l'Est. Si Brazzaville et le Rwanda savaient très bien que le Congo, nous sommes bien aguerris, ces gens ne pouvaient pas faire ce genre de jeu. Comment on peut nous encercler? Ça, c'est nous encercler, le Rwanda, en Angola, le Rwanda, Congo-Brazzaville, le Rwanda, et ça trafique le Rwanda. C'est-à-dire que le Congo est resté ici, est en train d'être encerclé par un pays. Un petit pays comme ça qui veut bouffer un grand pays, ce n'est pas possible. Mais c'est les journalistes, essayons de raisonner. Le Congo a des gens comme les Mokia. Nous comprenons bien le Congo et la gestion du pays. Si nous étions là, les choses pareilles ne pouvaient pas s'arriver. Parce que quand on est dans l'opposition, on crie, on parle, c'est qu'on est sûr de toi-même. Moi, j'étais sûr de moi-même. Depuis que je suis né, je n'ai jamais travaillé, tout ça, mais je vis sans problème. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle les hommes intelligents. Les hommes très intelligents. J'ai été à Belgique, j'ai été en Gabriel France. Mouquet, vous êtes du pouvoir, vous êtes donc dans l'Union sacrée des nations. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des désunions dans votre plateforme politique à chaque grand enjeu politique, notamment pour la désignation du président de l'Assemblée nationale? Il y a beaucoup de discordes, les violents ne s'accordent pas. Est-ce un problème de leadership ou c'est normal quand il s'agit d'une grande plateforme? Je peux vous répondre. Oui. Ces gens-là ne se sont pas encore rassasiés. Vous savez, dans l'Union sacrée, nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Mais est-ce qu'on nous contacte quand ils veulent faire les réunions? Vous ne pesez peut-être pas, Gabriel. Comment je peux peser? Mais ce qui pèse, où se trouve notre pays? Parce qu'on dit toujours, le tel pèse, il pèse. Mais on peut reconnaître quelqu'un qui pèse, qui a chassé les rebelles dans notre pays. Là, on peut dire que celui-là, il pèse. Mais toi, tu dois peser seulement si tu dois combattre Mokia pour qu'il soit, il puisse pas être figuré dans un gouvernement. Même si je n'ai pas figuré dans un gouvernement. Mais je suis toujours Mokia, je suis là, le peuple me connaît, qui ne me connaît pas. Mais ceux qui sont toujours figurés dans le gouvernement, ceux qui se disent qu'ils pèsent, mais qui me montrent à quoi ils pèsent, où se trouve l'économie de notre pays. Pour payer même les dettes envers la population, l'État congolais s'est fait pauvre pour rien. Mais eux-mêmes, ils amassent de l'argent en grande quantité. Ça, ce n'est pas du tout normal. On va terminer par ici, Gabriel Mouka. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité à Goma. Vous avez vu ces images des tueries, des attaques contre des civils, des braquages et autres. D'après vous, c'est un indicateur de quoi? C'est un indicateur, c'est qu'ils veulent prendre Goma. C'est pas nous, c'est l'autre, c'est pas nous. Nous d'abord, quant à nous, quant à ce qui nous concerne, nous, quelle est notre responsabilité par rapport à notre avant responsabilité de voir les parce autres. Parce que nous ne faisons pas un effort pour chasser les rebelles. Quand vous laissez un rebelle venir de Kigali jusqu'à Goma en train de massacrer les Congolais, ça ne va pas. Moi, j'ai suivi tout ce qui s'est passé à Goma là-bas. On est en train de massacrer les gens. Ils ont voulu prendre des sacs, mais ils ont trouvé une petite résistance. Mais est-ce que c'est possible que nous, on puisse commencer à courir derrière ces gens? Les Congo de Lumumba, courir derrière des petits rebelles? Bon, ce n'est pas possible. Moi, je dis, ce n'est pas possible. Sinon, ils sont tentés de tromper le président de la République. On ne dit pas la vérité au chef de l'État. Comment faire? Quand vous êtes avec le chef de l'État, il faut lui donner toujours des idées comment gagner une guerre. Bon, quelles sont les vérités que vous lui diriez, vous? Moi, je lui ai déjà dit. Je lui avais demandé. Moi, je suis mon gars, là. Je suis Mbouza. Depuis, avant l'indépendance, ce sont les Bangala qui coiffaient l'armée.
si j'ai l'armée aujourd'hui, vous allez voir que tous les Bangala, nous allons nous mettre à côté de l'Est et il n'y aura plus de problème de la rébellion. Mm. Vous avez vu mes frères, les Mbouza Mabé, les Luki, tout ce qu'ils ont fait pendant le régime, les Rwanda nous craignaient. Nous sommes partis même prendre les corps d'Abiyarimana. On l'a amené à Guadolite. C'est-à-dire que nous sommes plus forts que tous ces petits. Mais comment maintenant aujourd'hui les choses se sont renversées contre nous? Ces petits pays-là commencent à nous maltraiter. Moi, j'ai dit ça au président de la République comme ça. Ce n'est pas que je vous raconte tout ça. Dieu voit, je lui ai dit. Mais il avait seulement... Il avait dit quoi? Il a rigolé. Il a seulement rigolé et dit, bon, merci. Restez seulement. Oui. Mais je suis resté. Mais les informations que vous avez et que j'ai, ce n'est pas bon contre notre pays. Nous ne pouvons pas être ridiculisés de cette façon. Et on va aller dans des réunions à réunion. Quand un pays est atteint dans des réunions, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse quelque part. Or, que si nous sommes aguerris, on ne peut pas avoir des réunions. Tous ces petits pays-là, nous allons les coiffer. Vous n'avez pas vu Mobutu? Le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, tous ces pays-là ne jouaient pas avec Mobutu. Hein? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Nous sommes allés jusqu'à Fayalarjo, vers le Tchad de là-bas, avec la Libye. Nous avons malmené le peuple libyen. Tout ça, c'est Mobutu. Nous avons formé les militaires tchadiens dans notre pays. Et tout le monde, tout le Congolais connaît. Je ne suis pas le seul Congolais ici. Nous tous, à ce moment-là, moi, j'habitais à l'avenue du commerce. Et nos militaires ont montré de quoi ils étaient capables. Merci. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est marche en arrière? Pourquoi? Pourquoi faire marche en arrière? Et aujourd'hui, regardez l'avenue quand même. L'avenue... Dans quelle commune, rapidement? Ici à la Gombe, ici. L'avenue des travailleurs. Oui, rapidement pour terminer. Jusqu'à l'Onatra. L'eau, même que ce soit la période... C'est devenu un lac maintenant. Un lac maintenant. Merci, mais Gabriel. Où se trouve notre gouverneur de la ville de Kinshasa? Où se trouvent les autorités? Il a signé un contrat avec des Chinois très récemment. Oh là là là. Merci. Là. Merci beaucoup, Gabriel Moké, d'être passé. C'est-à-dire que je veux dire que même la première ministre qu'on a nommée, si elle ne met pas les gens comme nous. Vous croyez en elle, oui. Bon, elle a nommé le chef de l'État, c'est pourquoi elle a nommé. Si cette dame ne croit pas aux gens comme nous, elle doit seulement croire aux flatteurs, aux voleurs et tout ça, elle va échouer dans sa mission. Merci. C'était Gabriel Moukia. On reste ensemble. On va aller de l'autre côté, dans le sud-est de la RDC, dans l'Olaba, cette fois pour discuter avec Loïc Kachung, membre de la direction de communication du gouvernorat.